Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo. Je suis dans le 16e arrondissement de Paris, plutôt côté sud-ouest de l'arrondissement, au Parc des Princes exactement. Donc, nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, je m'engage. Hein. Je regarde sur ma gauche, je mets un clignotant, je suis sur des places en épi. Pas de difficulté. Là, je vais me diriger sur ma droite, je mets un clignotant, je surveille les piétons. Là, je fais mon virage à droite, je fais attention, j'ai des piétons, je les ai vus, je leur fais un signe de passer, pas de problème. Je visualise, je m'engage. Là, je vais tourner sur ma gauche, j'ai un feu. Peu caché avec les branches, donc rouler doucement. Hein. On va se promener dans le 16e, toujours en mode conduite commentée. Pour ceux que ça intéresse. Que mon feu passe au vert. Et je vais prendre sur ma gauche, je suis boulevard Murat. Je vois pas bien, c'est caché avec les petites feuilles. Donc le feu est au vert. Je fais mon virage. Là, je suis relativement lent parce qu'il y a des piétons qui finissent de traverser. Je peux passer une deuxième. Donc là je continue, je reste plus sur le côté droit. Il n'y a pas de marquage au sol, mais bon, il y a deux voies. Là vous faites attention, je décélère quand tu vois comme une entrée ou quelque chose, une sortie sur la droite, je décélère légèrement pour pouvoir observer. Là je vais me diriger sur ma droite, donc je vais mettre un clignotant comme ceci.
pas, mais moi j'observe, il y a des travaux là sur la rue que tu vas emprunter. Roulez doucement, le feu passe au vert. Donc là, attention à la piétonne. Là, faites attention au marquage jaune. Je reste à 35, hein, 30-35. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Là, je vois que il y a un petit peu de monde, ça bouge un petit peu. Du coup, je voulais prendre tout droit, mais je sais pas si je peux prendre sous ma droite pour éviter ça. Ouais, j'ai un feu, hein. Le feu est au vert, là il passe au orange. Faites attention, hein, quand c'est comme ça, surveillez le feu. Hein. Il y a des piétons, tout ça. Non, ça a l'air de décanter devant. Écoutez, hein, je vais continuer si jamais. Non, c'est trop lent. Je vais prendre à droite sur ma droite. J'attends que le feu passe au vert. Hein. Et lui devant moi il a dépassé le feu, mais c'est pareil, il attend. Donc je fais un petit appel de phare pour lui dire que le feu est passé. Il a pas vu, j'ai légèrement klaxonné, pardon. Comme ça il avance et moi je peux me permettre de tourner. Je surveille qu'il n'y ait pas de piéton et là je m'engage en deuxième. Ok, je passe une troisième, je suis à 35. Trop pousser la seconde, donc là j'ai le feu rouge, je vais prendre sur ma gauche directement pour reprendre là où je voulais aller. Je m'arrête en deuxième, feu rouge, bon, jusque là ça va, hein, c'est calme, la circulation est relativement calme. À part les feux, hein. Toujours beaucoup de feux. Donc là, je laisse passer le véhicule, j'ai des piétons, je les laisse passer. Et j'y vais juste après eux. Je vérifie encore qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent de ma gauche. Je m'engage. Deuxième, là attention, le passage pour piétons. Je reste en deuxième volontairement pour pas trop accélérer. J'ai le ralentisseur. Là je vais devoir m'arrêter. Bah écoutez, je crois qu'il y a un camion qui livre quelque chose, donc je vais devoir m'arrêter. Je vais peut-être même couper pour ne pas que perdre. Plutôt le plus long, je pense. Donc là on continue, hein. Je suis rue Boileau.
descends un petit peu, je reste en deuxième, je suis à 20, 25 ans. Là je surveille. Hein. Là, je m'arrête. Vert, je repasse une première, je démarre, je vais aller en face comme les voitures devant moi, je mets un clignotant de sortie comme ceci, je vais retrouver l'avenue Mozart. Je reste plus sur ma droite hein, si jamais voiture qui passe à gauche. C'est une voie à sens unique. Donc je vais continuer un petit peu. Là, ça redémarre en montée, j'accélère un petit peu plus, première, deuxième, là je fais attention. Hein. Pour moi, je vais laisser un peu d'espace pour avoir plus de visibilité. Comme il y a des. Voilà, la priorité à droite là, des voitures, scooters, il y a un petit peu de monde là, c'est un petit peu plus encombré déjà. Voilà, une voiture en stationnement, donc je mets clignotant, j'ai l'espace d'y aller. La voiture derrière moi, elle me laisse. Ok. Là, vous paniquez pas hein. Si vous n'avez pas l'espace, vous attendez derrière et puis vous attendez qu'on vous laisse passer. Hein. Vous essayez d'avancer légèrement, mais c'est bon. Là, il y a le piéton qui s'engage directement. Je les laisse passer. Je peux repartir. Attention à la dame. Bah, là, je suis obligé d'en ralentir. La dame, elle est vraiment sur le côté de la route, côté route là. Et là, attention à la priorité à droite, il n'y avait pas de véhicule, j'ai regardé, et là je peux repartir, je suis en deuxième, je repasse une troisième et je suis aux alentours de 30, hein, toujours, 35 là. Là j'ai une voie qui vient de droite, non c'est ok, là la prochaine, j'ai vu qu'il y avait un véhicule qui débouchait de la droite. Donc je freine, je passe en deuxième, il y a celle-là qui redémarre aussi. Prudence, hein. Là ça se resserre, à gauche il y a des camions, il y a le bus. Là, c'est un peu plus dense. Donc là, j'observe hein, devant. Je jette un œil sur mes rétros, également droite, gauche, rétro central. Je vois que le feu est vert. Je vais commencer à redémarrer. Bon, j'ai une voiture sur ma gauche, je vais la laisser passer. Ça va se resserrer un peu en fait. C'est pas la peine que j'y aille là tout de suite. Là, lui, je laisse passer, vous voyez, sur ma gauche. Et je suis, tout simplement. Là, vous suivez tranquillement. Là, le scooter a klaxonné parce qu'il voulait doubler le deuxième scooter. Donc, ça ralentit. Là, vous décalez pas sur la droite tout de suite. Hein. Vous voyez, il y a la moto, je l'ai entendu. C'est une voie de bus, donc préférez ralentir, rester derrière, attendez que la voiture qui précède fasse son virage et vous repartez. Hein. Ne vous décalez pas sans avoir observé ce qui venait de votre droite. Pour ça, hein, maîtriser l'allure. Donc là, ça ralentit, hein. je suis revenu en deuxième, je vais m'arrêter. Je vais peut-être un peu légèrement serrer la droite, voilà, pour respecter un peu les devoirs, on va dire. Ça laisse voilà, une petite voiturette qui passe. Vous voyez la petite
petite voiturette bleue, alors ça passait. Bon, une voiture aussi passait, mais je vais continuer tout droit. Comme ceci. Bon, c'est une petite allure. Hein. Là, ça va s'arrêter. Il y a le feu rouge, je le vois au loin. Vous voyez, le bus il passe pas. Lui hein. Aussi il y a son couleur de bus à respecter. Hein. Moi j'étais. Ça va, hein. J'étais pas mal rangé donc. Mais méfiance, je vais peut-être prendre à droite pour sortir de ça, du feu rouge. Donc là je mets un clignotant sur la droite. Voilà, j'ai surveillé, j'ai le piéton, non, il ne s'engage pas. Donc je peux m'engager. Donc là, je vais passer une première, une deuxième. Attention également à hein. Des terrasses, à des piétons. Là, je continue. Je vais prendre peut-être tout droit. J'ai la priorité, mais il y a des voitures qui arrivent de droite. C'est elles qui sont prioritaires sur moi, donc je m'engage comme ça. Et je laisse passer les voitures de ma droite. Je les laisse passer. Là, je m'engage. Avec prudence. Hein. C'est vraiment. Là, il y a pas mal de monde. Le feu est au vert. Je suis en première, hein, mais là. Ça n'avance pas trop. J'ai les piétons, mais bon. Je laisse passer. Hein. Ah, je vais prendre sur ma droite ici. Je mets clignotant. Ok. Donc là, je redémarre. Je suis en deuxième. J'ai les piétons. Qui arrive de ma droite et donc je les laisse passer. Hein. Là c'est pareil, j'ai les piétons. Bon, le véhicule il venait de ma direction, il venait vers. Il souhaitait continuer donc je suis passé devant lui. Hein. Là je tourne sur la droite, pas de difficulté.
deuxième. Là, je vais devoir prendre à droite. J'ai la priorité hein, sur les véhicules qui arrivent. Lui, le camion, il me laisse passer. Attention, hein. Hop, le cycliste, vous avez vu, il est passé très rapidement. J'ai légèrement mis un coup de frein parce que j'avais pris un petit peu large. Donc, je peux repartir. Première, deuxième. Je passe la deuxième. Ralentisseur, attention, hein. Priorité sur la droite. À droite, pardon. Le feu passe au vert. Préparer la première. Ok, je m'engage. Première, deuxième, ça descend. Le feu est au vert aussi. Il y a une succession de feux. Hein. Donc, restez à petite allure. Hein. Je passe une troisième, je reste à 30. Je vais continuer tout droit. Je vais aller jusqu'au fond, revenir d'où presque secteur Parc des Princes pour revenir. Là, je repasse une deuxième, ça tourne légèrement. Je maintiens l'allure. Je suis à 30 là. Attention, véhicule qui se gare. Il va peut-être prendre un peu plus large. Non, ça va, je peux passer. Attention, le taxi. Je mets un clignotant, je surveille sur la gauche, un coup de tête sur le côté gauche. Là, le feu est ouvert pour moi, rien de particulier. Hein. Deuxième. Attention au véhicule, je vais mettre. Non, je vais continuer par là. Donc là, je suis en troisième à 30. Je passe la deuxième et je m'arrête.
redémarre. Donc je repars. Je suis en deuxième. Hein. Je reste à une petite allure. Je peux pas aller bien vite. Hein. Sur cette rue, donc un clignotant, je vérifie, il y a personne qui arrive sur ma gauche. Là, attention, je peux pas aller en face, donc je prends à gauche. Attention, qui m'arrive de droite, je les laisse passer. Il y a personne, pardon, que j'ai oublié de mettre le clignotant. Sur ma droite ici, je vais attendre que la voiture avance un petit peu, j'ai pas trop d'espace. Elle me laisse pas trop passer. J'ai des piétons, attention, hein, je surveille. Voilà. J'y vais doucement. J'ai des piétons qui arrivaient derrière également. Là, je m'engage. C'est une petite rue. Donc là, je suis obligé de prendre à gauche. Depuis le temps, j'ai surveillé à droite. Il n'y a personne qui arrive. Permis de faire le petit tour de la place en fait, mais c'est pas ça que je souhaitais faire. Je me mets sur la droite là comme ça. Je vais prendre en face carrément et puis, je vais m'arrêter hein, pour celle-ci. Je pense que je vais faire une deuxième partie pour le 16e. C'est large, hein. 16e. De toute façon, tous les arrondissements sont quand même assez larges, mis à part ceux du centre. Bon, bah, c'était sympa. Hein. C'était relativement fluide aussi, pas trop de difficultés. Donc là, j'ai les piétons, je les laisse passer. Hein. Qui sont passés, je m'engage. Allez. Je vais remonter. Où est-ce que ça va nous emmener, celle-ci? Attention, un carrefour. Je vais devoir prendre la droite, c'est ça? Ouais. Donc, on tourne à droite. Je suis la route. Donc là il y a un véhicule qui arrive en face, il me laisse passer. Hein. J'arrive sur sa droite, il me laisse la priorité. Là je tourne, je m'engage et j'y vais. Bon bah j'ai tourné un petit peu en rond hein, sur ce coup là. Donc là attention, hein, je dois repartir sur ma droite. Vigilance, je mets clignotant, vigilance. En fait, il y a le deux roues, mais il arrive, c'est litigieux, il freine. Moi, je suis revenu sur la route d'origine, en fait, de base, avant de faire le petit tour où il y avait le marché. Oui, il y avait le deux roues. J'ai la priorité sur lui, mais vous connaissez, hein, les deux roues, ils arrivent. Donc, pour éviter qu'il s'arrête, il me regarde, on se regarde. Bon, bah, je lui fais un signe de la main, il a plus vite fait de mettre un accélérateur. Ça évite qu'ils pilent parce qu'ils ont quand même une vitesse assez elle n'est pas élevée mais on va
va dire que moi j'arrive, je suis en train de freiner, lui il arrive, il continue sa manœuvre sans avoir trop décéléré, donc bon, en se comprenant, bah, je le laisse passer. Ça, c'est fréquent. Là je suis en deuxième, je ralentis un petit peu, je vais devoir repasser la première. Le piéton il voulait passer, j'avais pas fait attention. Il est passé derrière le véhicule. On bouge un petit peu, on va revenir sur le. C'est le porte-bouteille au-dessus là. Un petit peu ça derrière moi, ça rentre un petit peu, voilà, en attendant le feu rouge, donc c'est très bien. Ouais c'est ça, je suis porte de thé exactement, donc je vais m'arrêter ici. En espérant que ça vous a plu, et je vous dis à d'autres vidéos. Un petit peu encore, je sais pas, je vais peut-être vous faire observer la porte d'Auteuil. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a pas mal de feux rouges, donc c'est une place commerçante, bar, café, brasserie. Il y a le Parc des Princes pas loin, Roland-Garros. Le périphérique, pour le périphérique aussi, porte de taille, comme à toutes les portes. Hein. Attention ici, hein, ils sont en stationnement là, donc je me décale un petit peu. Elle, je ne sais pas si elle veut stationner ou pas non plus aussi. Là, je pars accélérer. Je vais prendre sur ma gauche pour reprendre direction. Ok, à droite, ils ont le feu, je peux m'engager. Portez-vous bien. Allez, salut.